Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sous le signe d'une nouvelle version, la 1.20.4, qui a été publiée ce jeudi 7 décembre, suite à un gros problème, en fait, une correction majeure, sur un souci qui concernait le contenu des vases décorés. Contenu de vases décorés qui pouvait éventuellement disparaître lors du rechargement d'un monde. Donc ça a été corrigé. Et eh bien, on va se lancer dans cette nouvelle version. Et tiens, c'est étonnant, il me demande pas de sauvegarder cette partie. Cette partie où on se relance, comme vous pouvez le voir, dans un nouvel environnement. Alors non pas une nouvelle partie, mais un nouvel environnement, car je suis dans le second village, celui dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Un village peu intéressant, au sens où bah, il n'y a pas grand chose à y faire pour l'instant, et je me disais que il n'était pas super pertinent à visiter. Et puis en fait, finalement, bah, j'ai été faire un tour et je m'y suis posé pour recommencer cet épisode. Alors, pourquoi est-ce que je me suis arrêté par là? Bonjour toi. Et surtout, pourquoi je n'ai plus tous mes animaux? Tout simplement parce qu'en fait, je vous l'avais dit, je suis parti en bateau. Mais il y en a des mobs encore par ici. Hop! Donc, je suis parti en bateau. Et le bateau, enfin le cours d'eau, m'a ramené jusqu'ici. Cet emplacement. Je suis en train de me dire, mais où est-ce que j'ai foutu mon bateau? J'ai dû l'amarrer quelque part, par là-bas. En fait, donc j'ai pris le chemin, et puis on va faire le chemin inverse pour retourner au village. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert cette zone là, et là je me suis dit, oh mais non, mais c'est trop merveilleux, il faut que j'aille faire un tour par là bas donc j'allais faire demi-tour parce que ce village, je lui suis passé mais il m'intéressait pas plus que ça. Et finalement, en fait, bah, y a un petit point d'intérêt là bas tiens, bonjour toi, raté, hop là. Donc il y a quand même un intérêt à aller par là. Et cet intérêt, c'est de pouvoir aller récupérer de quoi replanter des cerisiers dans d'autres secteurs. Alors, j'ai de la laine en quantité suffisante. C'est quoi ce délire? Oh, c'est mignon ça. La laine rose. Je vous assure que c'est pas moi qui l'ai transformée. Là-bas, hop. Bon, je vais perdre un petit peu de temps ici, mais c'est pour mieux retourner là-bas. Alors, je suis en train de chercher, mais je retrouve pas mon bateau. Où est-ce que je l'ai mis? Non, je rêve pas, il est pas ici. Je l'aurais mis dans une caisse. J'ai vraiment des gros doutes, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Et comme je n'ai pas joué pendant plus d'une journée, ben, j'ai un peu perdu mes repères. Donc voilà, ça c'était la maison dans laquelle j'ai dormi. Ici, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je prenne un peu de bois pour faire un établi. Voilà. Et que potentiellement j'allais pouvoir faire un lit, mais maintenant que j'ai de la laine rose, vous vous doutez bien que j'ai une furieuse envie de faire un lit rose. Alors je vais aller voir là-haut si je l'ai pas laissé. Salut toi, bah écoute, on va commencer par bosser ensemble.
Non, ici j'ai détruit l'élément. Alors là-bas, ça ne travaille pas. Ok. Oui, d'accord, juste un lit. Donc on repère qu'il y a quand même de quoi éliminer un peu de charbon. Et ici, très peu d'intérêt, enfin, pas pour maintenant, quoi. Ok. Bon, ben, je ne retrouve pas mon navire. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est-ce que j'aurais pu le mettre? Alors, si dans certains épisodes de ces Let's Play, je cherchais des tatous, là maintenant, je cherche un bateau. Enfin, je cherche mon bateau. Allez, on va terminer. La tonte ici. Voilà. J'ai mon lit. C'est tout ce que je voulais. Lui là-haut, qu'est-ce qu'il fout? Voilà, ça c'est vraiment le genre de bug. Ah non, en fait, t'as même pas envie de devenir armurier, tu veux juste grimper. Qu'est-ce que c'est stupide. Bon, allez, je... Me dites pas qu'il vient de monter, qu'il redescend. Bah si, ça va être son grand jeu. Je monte. Je descends et je tombe. Sérieux. Voilà, donc s'il y en a qui savent pourquoi il se comporte comme ça, je suis preneur d'infos, parce que là, je n'y comprends rien. Et j'ai des gros doutes sur la méthode à utiliser. Oui, raté. Pour corriger ce genre de soucis. Ouais, mais non, mais ça ressemble à rien ce que je fais là. Oh, pff, bon, allez. Je suis en train de perdre mon temps. Et le vôtre par la même occasion. Et je vais... Au secours. Au secours. Allez, je remets ça en place et je me barre. Comment est-ce que je remets ça en place sans me casser la gueule? Voilà, comme ça, ça c'est sûr. Ça veut pas. Ça m'énerve. Bah, arrête toi, parce que, franchement là, va-t'en. Allez, descends, descends, descends. Ah, si j'avais un bateau. Ah non, mais franchement, faut qu'il dégage là, il va me gonfler. Bah ouais. Barre-toi. Ça y est. Sans déconner, c'est du gros n'importe quoi. Voilà, il est tombé, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, on se casse de là. On a notre lit. Je reviendrai tondre ce mouton rose. Là, il y a un mouton gris. Ok. Je veux retrouver mon bateau. Non, je vais être obligé de revenir à pied. Aïe. Ouais, non, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas du tout là. Donc, oui, bon, bah écoutez... On va poursuivre cet épisode avec donc la collecte de plants de cerisier que l'on va ensuite aller réinstaller dans mon premier village. Et vous verrez aussi un petit peu plus loin là-bas qu'il y a encore une autre surprise. En relation eh bien avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent.
Ok, là il y aura des choses à faire par ici. Il y a du zombie. Allez, je prends de quoi faire un bateau. Ça fait 8, donc c'est bon, sauf que j'ai pas d'établi, donc ça va pas être bon. Alors par ici, première chose que je voulais vous montrer et qui me fait énormément plaisir, c'est cette âne que je vais pouvoir tenter d'apprivoiser. Oh, en plus il a un bon niveau. Voilà, allez, deviens mon ami avant que la nuit tombe. Ça y est, c'est fait, génial. Et maintenant, on va aller se cacher en attendant. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre... Oh, bah non, la pluie. Je disais, c'est typiquement le genre de grotte que je n'aime pas, celle où on descend pas franchement dedans. L'exploration est beaucoup moins intéressante, beaucoup moins fun, en fait. Si je creuse avec ce qu'il faut pas. Oui, ça grogne. Voilà, là c'est déjà vachement plus intéressant, mais c'est pas le but du jeu de cette partie. Par ici, c'est sympa. Mais il y a du mob, en veux-tu, en voilà. C'est foutu où lui? Voilà. Hop, et on va s'installer par ici, hein. Tout simplement pour passer une petite nuit tranquille. Pas gagné, mais on va essayer quand même. Je ne peux pas. Hop. Et il y a des monstres à côté. Où est-ce qu'ils sont? Je les entends. Ils sont tout proches, mais ils sont pas par là. Ah, en voilà un. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent. Hop, si je le mets comme ça, il se retrouve coincé. Voilà. Non, toujours pas. Ah. Toujours pas. Vous savez que je suis pas fier.
pas choisi le meilleur endroit pour poser mon lit. Il est là. Ne dis pas que c'est juste lui qui fait chier le monde. Et que maintenant je peux aller me coucher. J'ai l'impression que si, c'était bien lui. Hop là. C'est bien ça. Bien. Donc me voilà dans ce merveilleux... Oula. L'idée c'était surtout de pas toucher les abeilles, c'est bon. C'est juste magnifique. C'est vraiment un des biomes les plus jolis. Ah, encore un âne? Sérieux? Bon, un peu moins intéressant que le précédent, mais... Ah, et il se laisse moins faire. Tiens, un biome que je n'avais pas vu avec cette forêt enneigée. Ah, il se laisse vraiment pas faire là. Ça y est, c'est bon. Donc on reviendra avec la selle, le nécessaire pour pouvoir le ramener avec nous au village et en faire donc un nouveau compagnon de route. En attendant, hop. Alors on va essayer de récupérer des pieds ou des pouces. Voilà, de cette manière-là. La houe est très efficace dans ces cas-là. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh. 8. Très bien. Donc j'en remets un. Comme ça, je n'ai pas détruit le truc. Je vais prendre aussi ceci. Voilà, pour faire des jolis parterres. Et je vais laisser ça tranquille pour l'instant. Oh, peut-être le petit lapin. Ouais. Il y a des lapins, mais je les laisse tranquilles. Waouh. Non, c'est bon. Donc, on est arrivé par là-bas et je voulais vous montrer autre chose. Ils sont géniaux, ces arbres. Hop. L'autre découverte que j'ai faite et que je n'ai pas été explorée, elle est là. Un deuxième portail. Alors portail que je vais pas pouvoir aller visiter, enfin activer dès maintenant, mais je vais quand même aller le voir. Ne serait-ce que pour aller voir le coffre. Et ses trésors. Alors,
Ah, pas mal. Un petit toucher de soie. Protection contre les explosions. Ah, je suis agréablement surpris par cet équipement. Eh bien, j'aurais juste besoin d'en mettre un tout petit peu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, ça suffira pas. Ça ne suffira pas, mais c'est quand même pas mal. Bon, bah, je vais revenir par ici. Zone très intéressante. Et un nouveau portail qui va me permettre peut-être de retourner dans le Nether et d'atterrir surtout quelque part où je ne serai pas coincé sur mon petit bloc rocheux, comme ça a été le cas pour le dernier portail que j'ai ouvert. J'ai tellement envie de trouver une forteresse, de pouvoir engager des nouveautés, des nouvelles choses, que j'étais vraiment profondément déçu lors du dernier épisode. Allez, je m'en vais retourner hop, par ici. En passant, je peux peut-être encore récupérer de la laine. Ça pourra toujours servir au second village. Second village où je vais probablement passer au niveau 50. Je viens juste de jeter un œil dessus et de me dire oui, ça y est, j'approche, j'approche. Un niveau 50 qui va être l'occasion peut-être d'enchanter. Je suis parti où là? Si, c'est bon. Je disais donc oui, voilà. D'enchanter une armure en diamant. Waouh. Histoire de bénéficier d'une bonne protection, mais en même temps la protection contre les explosions de l'armure en or, là, ça m'attire quand même pas mal. Même si c'est peut-être pas indispensable. Allez, on retourne au village numéro 2. Ça fait une trotte. C'est là où je me dis que l'âne va pouvoir m'être utile, au moins pour cette zone-là. Et potentiellement en bateau retourner au village initial pour la fin de cet épisode. Alors, mon armurier là-bas, qu'est-ce qu'il va me raconter? Voilà, le niveau 50, grâce à toi. Tu veux des lingots de fer et du charbon? Eh bien, on va t'en trouver tout ça. Ce village n'a pas de cloche, mais si, il y a deux cloches là-bas. Il y a deux cloches. Il y a de la lave en dessous. Un paysan, un prêtre. Un forgeron d'armes. Ok. Et 1, 2, 3. 3 feignants. Pardon. 3 villageois qui n'ont pas d'occupation. Toi, je pourrais te faire grimper juste avec ça. Ok. Bon, on va ramener de quoi faire travailler tout ce beau monde. Et il faut qu'on arrive à créer. Oh là là, oui. Un chemin d'accès. Oh, c'est pas gagné, dis donc. C'est pas du tout gagné. Allez, on s'y met. Je vais arriver pas du tout là où j'imaginais. Ok.
Oh, quoi que c'est jouable. Ouais. Ça reste tout à fait correct. Bon. Eh ben, je vais l'avoir, mon bateau rose, hein, je crois. Hop. Ici, je voulais faire un coffre. J'en ai déjà un, deux. Oh ouais, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, mais... Si, ça va être nécessaire. Voilà. Ne serait-ce que pour ranger ces éléments-là. Allez, toi tu te poses là. Toi, je te laisse ici avec ça. Non, moi je garde ces choses-là avec moi, hein. C'est dingue. Hein. Je n'ai pas encore de quoi faire mon bateau. Ça y est, je l'ai. J'ai mon bateau rose. Je vais faire un bateau d'ailleurs avec un coffre. Et je m'en vais me coucher. Non, pas ici. Ok. Bah si, ça sera ici, mais je vais aller chercher mon lit. Rose. Hop. Voilà. Bien. Je vais vous épargner le voyage au retour, ou alors non, on va se le faire, mais en accéléré. Juste pour vous montrer en fait à quelle distance je me trouve donc du premier village. Ça va être un peu long, mais on va se faire ça en mode rapide avec un peu de musique. Installation au-dessus de l'église. Me voici de retour au premier village où je vais pouvoir me poser, voilà, ici, et faire le plein non seulement d'équipements pour que les villageois du deuxième village puissent devenir des travailleurs, mais je vais aussi pouvoir ramener quelques ressources présentes ici, comme le bambou. En attendant, il va falloir que je trouve un emplacement pour planter mes cerisiers. Je pense que ça sera par là, et ça vous pourrez le découvrir donc et bien dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et le développement de ce village. Ouh, j'avais pas vu, de ce village et de l'autre. Et il y a deux petits nouveaux là. Mais il va falloir les occuper eux aussi. Ça commence à faire beaucoup de monde dans le village. Bref. À très bientôt. Salut.